nous allons calculer ici l'aire de la surface comprise entre les graphiques de deux fonctions. Voici la première fonction f qui est représentée par cette parabole. Voici la deuxième fonction g qui est représentée par ce graphique-là. Nous souhaitons calculer l'aire de la surface comprise entre ces deux graphiques. Pour déterminer l'aire de cette surface, il faut d'abord trouver les abscisses de ces deux points d'intersection des deux graphiques, qui sont visiblement 1 et 3. Donc ce que nous devons calculer, c'est l'intégrale de 1 à 3 de la fonction supérieure, c'est-à-dire cette fonction du deuxième degré, moins la fonction inférieure, c'est-à-dire cette fonction du troisième degré. On pourrait calculer la différence de ces deux polynômes et ensuite intégrer, mais avec la calculette, on peut aussi introduire toute cette intégrale-là. Faisons cela. Je vais d'abord activer la touche intégrale. Clique. Et maintenant, on va rédiger la différence des deux fonctions. Donc, j'ouvre la parenthèse, clic, j'entre moins x au carré plus 4x moins 2, je ferme la parenthèse, ensuite je mets moins, j'ouvre la deuxième parenthèse, j'introduis x au cube moins 3x au carré moins x plus 4, et je ferme la parenthèse. Maintenant, il faut entrer le 1 et le 3. Pour cela, touche curseur vers le bas une fois, clic. Là, on introduit le 1, clic. Maintenant, touche curseur une fois vers le haut, clic. Là, on introduit le 3, clic. Et maintenant, je clique sur Enter, clic. Et voilà, l'intégrale cherchée, c'est 16 tiers. Donc, cette surface-là vaut 16 tiers. 16 tiers, c'est 5 et 1 tiers, donc 5,3 périodes. Mais 5,3 périodes quoi? Ce sont des centimètres carrés, ce sont des mètres carrés. En fait, ce sont 5,3 périodes carré unitaire. Donc, là-dedans, on peut mettre 5,3 périodes carré unitaire. Cette réponse a de grandes chances d'être bonne. Si on avait trouvé ici 25, alors il faudrait vraiment se poser des questions, parce que cette surface-là ne contient certainement pas 25 carrés unitaires, mais bien 5,3 périodes.